centre, c'est pas est vraiment qualifié déjà que nous avons des formateurs très expérimentés ici là. Donc, je conseille vraiment à tous mes amis, aux parents, ce sont des enfants qui souhaitent ou qui désirent faire une formation professionnelle, je vous conseille bien le CEPAL. Merci. Je dirais, ça n'a pas été facile, puisque c'était ma première expérience, mais je me suis bien battue. Ça a été. Le CEFPAL, c'est un centre de formation professionnelle et d'apprentissage de langue. Professionnelle parce que nous avions plusieurs spécialités, à savoir les secrétaires de direction, comme celles qui ont soutenu précédemment. Les graphistes, vous avez vu, de par les pratiques et le flocage de tasses, ça, ce sont les graphistes. À côté d'eux, il y a également les infographes. Plus loin, les secrétaires comptables. Ça, c'était le penchant professionnel. Et si on revient du côté des langues, nous formons dans diverses langues et nous faisons également dans des accompagnations de procédures. Des accompagnations de procédures. Comme différentes langues, nous pouvons avoir la langue italienne, la langue allemande, chinoise et même espagnole. Alors, je finirai en disant au CEFPAL, tout est complet. Alors, suivez-nous. La soutenance qui a eu lieu aujourd'hui s'est très bien déroulée. Les membres du jury étaient conciliants, patients et moins rigoureux, très attentifs au déroulement de la soutenance. Le CEFPAL est un centre de formation situé au niveau de l'immeuble Zébazé. Ce centre présente plusieurs formations. Moi, j'ai choisi l'infographie. Je me suis formée dans l'infographie et mes impressions sont de très bonnes impressions. Nous avons déjà le professionnalisme, le bilinguisme des enseignants, un suivi scrupuleux des étudiants, l'accueil chaleureux du secrétariat, la bonne collaboration entre les enseignants et les étudiants. Au niveau de l'infographie, les machines sont disponibles à chaque étudiant et l'encadrement y est. Lors de notre soutenance, nous avons eu comme membre du jury mon encadreur, M. Mugei Martial. Comme président du jury, on avait affaire à Madame la déléguée départementale de la MENOA. La soutenance n'étant pas facile et n'ayant pas aussi commencé la formation en début d'année, donc ma formation était vraiment très rude et encouragée par mon encadreur. Donc, à cet effet, nous avons eu une mention excellente. Nous savons tous que nous avons des difficultés financières, mais le CEFPAL est un centre très compréhensif qui encourage les étudiants à se former et à payer par tranche. On n'est pas obligé de payer la pension totale, mais on peut payer par tranche. Je vous encourage vraiment à rejoindre ce centre parce que c'est un centre qui donne des formations professionnelles, qui vous suit scrupuleusement et qui se rassure que vous avez suivi une bonne formation pour être recruté. Au terme de cette journée de soutenance au CEFPAL, nous ne pouvons être que satisfaits. Satisfaits quant à la qualité des thèmes qui ont été choisis par les apprenants. Satisfaits également quant à la prestance, la présentation, l'éloquence même de ces apprenants-là. Vous avez vous-même pu le constater, ils sont passés directement à une démonstration pratique de leur thème. Et c'est ce qui est attendu du MINUFOP, être directement opérationnel après une année de formation. C'est donc l'occasion pour moi ici de remercier, d'encourager le promoteur du centre de formation, le directeur ainsi que les formateurs pour la formation de qualité attribuée aux enfants, pour le plateau de techniques mis en place pour la formation de ces apprenants-là, ainsi que pour le suivi, évaluation pédagogique de ces apprenants-là, selon les attentes du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La soutenance s'est très bien déroulée. Nous avions eu trois candidates qui ont soutenu dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons, par l'occasion, été honorés de la présence de la déléguée de la départementale de la formation professionnelle. Donc, elle est venue elle-même, non seulement en qualité de déléguée, mais aussi en qualité de présidente du jury. Donc, sa présence montre déjà, n'est-ce pas, que notre centre est une référence dans la ville et ça montre aussi son souci, n'est-ce pas, dans le bon déroulement et dans, n'est-ce pas, la qualité de la formation dans la ville de Chang. À ceux qui traînent encore le pas au quartier, le CEFPAL vous ouvre grandement les portes.
Déjà, à travers la présence de la déléguée parmi nous aujourd'hui, vous avez compris que c'est un centre reconnu par l'État. Et à travers les mentions, vous comprenez également que c'est un centre qui est compétent en matière de formation et qui vous permet, n'est-ce pas, de sortir prêt à l'emploi. Donc, je dirais à ceux qui traînent encore le pas de nous rejoindre dans cette aventure afin de bénéficier d'une formation de qualité et de se lancer dans le monde de l'emploi qui n'attend que des personnes compétentes comme vous. Et...